Comment savoir si mon alimentation me convient à moi? Alors ça, c'est une excellente question. Donc en fait, déjà, si déjà tu te poses la question, c'est que certainement ça ne convient pas. Et normalement, tu ne devrais même pas te poser la question. Si ça convient, tu ne te poses pas la question. Tu ne cherches pas à comprendre. Si vous êtes dans la recherche de quelque chose, c'est que quelque chose ne fonctionne pas et vous voulez comprendre pourquoi. Et souvent, si vous êtes là aussi, c'est que vous cherchez des réponses ou des solutions un petit peu à toutes vos questions. Donc, premièrement, on analyse les selles. Est-ce que je vais à la selle tous les jours? Est-ce que mes selles sont bien moulées, sont compactes, sont de bon calibre, de belle longueur, et qu'il y en a au moins une par jour? Déjà, et la couleur aussi. La couleur doit être quand même assez foncée. Si c'est clair, voire très clair, voire blanchâtre, il y a un problème, d'accord? Donc, couleur foncée, consistance assez lourde, on va dire. Faut pas que ce soit des selles collantes, faut pas qu'il y ait des résidus d'aliments dans vos selles, faut pas que vous soyez constipé, faut pas faire des petites boulettes, et faut pas non plus être diarrhéique, voilà. Donc déjà, première chose, en gros, c'est, je regarde pas qu'est-ce qui rentre, mais comment ça sort. Regardez toujours comment ça sort de chez vous. Parce que c'est justement, si ça sort de manière correcte, c'est qu'à l'intérieur, tout va bien. Ensuite, vous avez pour les femmes, les règles. Donc si vous avez des syndromes prémenstruels, que vous avez mal à en mourir une semaine avant, pendant, après, voilà, déjà il y a un problème, c'est pas normal. Voilà. Avoir mal à son endomètre, c'est pas normal. Donc s'il y a de l'endométriose, s'il y a des syndromes prémenstruels, c'est que dans l'alimentation, il y a quelque chose qui va pas. Si vous êtes en aménorrhée, ça va pas non plus. Normalement, vous devez avoir vos règles tous les 26-28 jours à peu près, en moyenne. Donc ça doit être aussi un facteur qui vous dit « Ok, ça, c'est bon » ou alors « C'est pas bon ». Ensuite, vous avez votre peau. Votre peau, c'est un indicateur de comment je vais. Si vous êtes rempli de boutons, si vous êtes une peau blafarde, un teint fade, un teint terreux, vous êtes acidifié, donc ça va pas du tout. Il faut revoir aussi votre copie à ce moment-là. Si vous avez des poches ou des cernes sous les yeux, ça c'est pareil, on en revient au système rénal de tout à l'heure, d'accord? Donc là, le système rénal ne fonctionne pas bien, hein, tous les régimes carnés, du camp chrononutrition, poubelle, hein. Voilà, donc là, si vous regardez l'état de vos yeux, si vous avez des grosses poches ou des cernes, voilà, c'est pas normal non plus, hein, voilà. Ensuite, vous avez votre humeur. Comment vous sentez? Vous êtes bien, vous sentez bien, ou alors est-ce que vous êtes complètement, vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a un truc qui ne circule pas dans votre corps, vous sentez tout le temps stressé, énervé. C'est peut-être aussi que quelque chose dans votre alimentation n'est pas adéquate. Ensuite, vous avez votre énergie vitale. Ça, si dès le matin, vous levez, vous êtes KO, c'est pas normal. Le matin, vous devez vous lever, vous venez de faire une nuit de sommeil, vous venez de reposer vos organes, vous devez être au top. Voilà, et toute votre journée, elle doit être comme ça. Moi, toute ma journée, il n'y a aucun moment où je me dis « Oh, je suis crevée, j'en peux plus, oh là là, faut que j'aille dormir et tout. » Ouais, ça doit m'arriver une fois tous les tremblements de terre parce que voilà, je me suis couchée tard, parce que peut-être j'ai fait la fête le soir ou j'en sais rien, le lendemain, ouais, c'est vrai, je le sens. Alors, franchement, à 40 ans, l'autre soir, je suis sortie à Monaco, on a fait la teuf et tout. Je suis rentrée à 3h du mat, ça fait super longtemps que ça ne m'est pas arrivé. J'aime autant vous dire que ouais, je l'ai un peu senti le lendemain parce que du coup, moi, mon horloge biologique, bah, quoi qu'il arrive, je me réveille à 7-8 heures. Même si je me couche à 3 heures, mon corps, lui, il se dit « Ah bah c'est l'heure !»« Bah, attends, allô, tu sais, hier soir, je me suis couchée à 3 heures. T'as oublié ?»« Ah bah ouais, complètement. » Donc impossible de me rendormir, c'est comme ça. Donc ouais, je l'ai senti sur ma journée, que j'étais un peu plus fatiguée, j'étais un peu plus faible, etc. Donc ça déjà, votre niveau d'énergie, ça doit être le truc où vous devez être le matin, dès le matin, ok, je vais faire mon sport, quoi. Je vais attaquer la journée, je suis pleine d'énergie. Si vous levez le matin et pff, voilà, c'est pas normal. Oui, à 40 ans, c'est plus compliqué, oui. c'est sûr qu'on récupère un peu moins bien. Ensuite, il y a la rétention d'eau aussi. Donc, si vous faites vous gonfler dans tous les sens, vous avez les doigts qui gonflent, vous gonflez du visage le matin quand vous vous réveillez, les jambes, etc. C'est pas normal, hein. Donc là, le ventre, les ballonnements. Voilà,
vous ballonnez du matin au soir, vous avez mal au ventre, vous n'arrivez pas à le digérer, vous avez des gaz, votre alimentation ne vous convient pas. Vous prenez du poids, donc boum 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 boum, vous grossissez, vous prenez de la graisse viscérale, vous prenez du gras dans tous les sens, votre alimentation ne vous convient pas. Ensuite, vous avez vos cheveux, vos ongles. Regardez l'état de vos cheveux et de vos ongles. Est-ce que vos cheveux sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont costauds? Est-ce que vos ongles sont le blanc est bien blanc? Est-ce qu'ils sont durs? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont tous striés, ils ont des taches? Tout ça, ça doit aussi vous indiquer qu'il y a un problème dans la machine. D'accord? Donc en fait, vous avez tous les signaux, un peu comme une voiture en fait, apprenez à lire les signaux qui clignotent, hein, sur votre voiture. Donc votre véhicule, il est là et il vous envoie des signes. Donc s'il vous envoie des signes, c'est ce que vous faites, ça ne vous correspond pas. Voilà. Donc écoutez-vous vraiment, profondément, comment je me sens, est-ce que j'ai de l'énergie, est-ce que je me sens bien, est-ce que je vais dans la vie toute pimpante, joyeuse, etc. Ou alors est-ce que je suis au bout de ma vie, je suis crevée dès le matin, c'est pas normal, on ne doit pas vivre une vie comme ça, pour moi c'est pas logique. Ok, la libido aussi. Donc voilà, plus vous avez une libido élevée et plus aussi, et pour les hommes, l'érection aussi, ça peut être un facteur qui peut vous indiquer que vous mangez correctement, suffisamment de calories ou pas. Donc voilà, de manière générale, le système hormonal aussi, hein, la thyroïde, à partir du moment où vous vous alimentez correctement, votre corps il doit fonctionner très très bien.